ce sont des offres appétissantes qui vous promettent plus de quantité dans les emballages. Mais êtes-vous vraiment gagnant? Dans ce paquet de gâteaux, par exemple, 10 grammes en plus, une augmentation de 10%. Mais son prix augmente aussi, beaucoup plus cette fois, de 29%. Voilà, la stretchflation. Comprenez en français, l'inflation étirée. Avec des emballages flatteurs, on peut vous faire un petit peu de charme et on se laisse avoir facilement. On regarde beaucoup les marques, les packaging, mais on regarde pas forcément le reste. Augmenter le poids d'un produit en gonflant encore plus son prix. Une pratique légale défendue par deux des marques épinglées. Cette évolution est indiquée sur les packs concernés. Elle s'accompagne d'une augmentation du prix au kilo permettant de mieux structurer notre offre. Nous tenons à rappeler que le prix final au consommateur en magasin reste à la discrétion du distributeur. Un procédé qui s'ajoute à de nombreux autres comme la gridflation, la chipflation ou la shrinkflation, interdite depuis le mois d'avril par le gouvernement. Des techniques trompeuses selon cette association de consommateurs. Dès lors qu'on contraint les industriels, qu'on fait peser sur eux une contrainte légale, ils arrêtent d'avoir recours à ces pratiques. Et dès qu'on leur met un coup d'arrêt sur une pratique, ils en trouvent une autre pour continuer à jouer avec les formats, les affichages, le marketing et aussi les prix. Alors dans la jungle des supermarchés, comment éviter d'y perdre son argent? Les marques que l'on épingle en général par ces pratiques, elles font ce qu'elles veulent, mais c'est au consommateur de faire ce qu'il doit. Et lui, ce qu'il doit faire, c'est de toujours regarder le prix au litre et le prix au kilo et de ne pas acheter les yeux fermés. Pour l'instant, la pratique reste difficile à repérer. Il faut donc bien surveiller son panier au supermarché.